petit à petit. On s'éloigne doucement, on perd le fil. Sans le moindre affolement, et la mouvance se maintient dans le temps, tout se délite. Depuis bientôt plus de 40 ans, par petites touches chaque fois, une petite loi au bon endroit. Passé à 2h du matin, lors des vacances de la Toussaint, puis on passe en état d'urgence, juste une fois puis tous les dimanches, au point que l'urgence soit permanence, et qu'on s'habitue docilement. Et ça dérive, gentiment mais sûrement, ouais ça dérive. Pendant que personne n'a le temps, et ça dérive juste sous notre nez. Ce serait peut-être bien de prendre 2 secondes pour s'en occuper, ouais ça dérive gentiment mais sûrement, et ça dérive. Pendant que personne n'a le temps, et ça dérive. Et d'ici quelques années, bah si ça se trouve, ce sera trop tard pour s'en occuper. Liberté laisse place à la sécurité, jouant sur les peurs et tout ce qui peut nous faire flipper, pour mettre en place une surveillance renforcée qui sert d'abord au terrorisme et puis ensuite à nous fliquer. Par petites touches à chaque fois, une petite loi au bon endroit. Puis si jamais ça passe pas, Joker, je te sors le 49-3. Et puis les guignols se sont tus, pas forcément de manière voulue. On censure l'humour, les artistes, la politique veut plus de critiques. Et ça dérive gentiment mais sûrement, ouais ça dérive. Pendant que personne n'a le temps, et ça dérive juste sous notre nez. Ce serait peut-être bien de prendre 2 secondes pour s'en occuper, et ça dérive gentiment mais sûrement, ouais ça dérive. Pendant que personne n'a le temps, et ça dérive. Et d'ici quelques années, bah si ça se trouve, ce sera trop tard pour s'en occuper. Donc je serais d'avis de stopper la dérive, de mettre un coup de frein avant que ça n'aille trop loin. Faudrait peut-être s'occuper de notre pays avant qu'un de ces 4 matins disparaisse notre peu de démocratie. Et ça dérive gentiment mais sûrement, ouais ça dérive. Pendant que personne n'a le temps, et ça dérive juste sous notre nez. Ce serait peut-être bien de prendre 2 secondes pour s'en occuper.